Compteur en air. Aujourd'hui, on lit Grosse colère de Mireille Dallancé. Robert a passé une très mauvaise journée. Oh là là, enlève tes baskets, dit son père. Voilà, dit Robert. Au dîner, il y a des épinards. T'es pas malade, s'exclama Robert. Monte dans ta chambre, dit son père. Tu redescendras quand tu seras calmé. Ça m'étonnerait, répond Robert. Et là-haut, dans sa chambre, Robert sent une chose terrible qui monte jusqu'à ce que... elle sorte d'un coup. Salut, dit la chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que tu veux, dit Robert. Bien, dit la chose. On va commencer par là. Et hop, la couette se met à voler avec tous les coussins. Crac, la table de nuit. Zip, la lampe. L'étagère et tous les livres y passaient. Gim. Et puis la chose approcha du coffre à jouer. Attends, pas ça, dit Robert. J'entends, arrête. Ah non, pas mon camion préféré. Attends, je vais te réparer. Et toi, gros nul, disparais. T'as intérêt à te faire tout petit. Oh, ma petite lampe, attends, je te redresse. Et toi, mon petit oreiller, tout cabossé. Et mon livre préféré, il t'a tout froissé, mon pauvre. Là, c'est mieux comme ça. Ah, tu es là, toi? Viens ici que je t'attrape. Allez, oust, dans la boîte, on ne bouge plus. Papa, est-ce qu'il y a du dessert? Voilà, l'histoire est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines histoires.